C'est moi qu'on a chargé de vous conduire jusqu'à Paris. C'est pas ça. Jusqu'à Mézinges déjà. On passe dans le village de Margencelles, après l'école. On tourne à gauche, c'est un chemin en terre. Et on passe, on poursuit ce chemin, on passe sur la voie ferrée et on arrive à Mézinges au jardin. Ça fait 7,5 km. Il y aura une photo, on va tous se réunir avec les cavaliers, les piétons, les chauffeurs des tracteurs, au rond-point de Mézinges. Ouais, bon, on s'arrête là. Ouais. Troisième génération. Tous, à vélo. Ah oui, hein. Constantino, on va se mettre parce qu'à la corde, on se met à la queue les deux. Donc on attend un peu que les gens ils à vélo. 85, ouais. Génial. Qui pédale. Il va caler. Ça va être pire en haut là. Sonnette. Ouais, Fanny. Qu'est-ce que tu fais là? Allô? Ouais.
Bonjour. On est en dessous.
cyclistes sur le rond-point. Les cyclistes sur le rond-point pour la photo. Les cyclistes sur le rond-point pour la photo. Ça va les piétons? Salut. Ça va? Viens, Abel. Moi, je vais partir, commencer à partir avec toi. Mais oh, il y a une là, il y a une photo. Ici. J'ai la belle surprise parce qu'on est à mon avis 120-130, hein. C'est un petit peu le décompte que tout le monde fait, donc c'est très très chouette, c'est une manifestation qui démarre bien, 120-130 piétons uniquement, et là nous allons retrouver les cyclistes, on va les voir arriver de ce côté-là, et probablement les cavaliers aussi, mais avant ils auront laissé leurs chevaux. Tout le monde est hyper motivé, tout le monde a vraiment envie de garder un Chablais bien, avec un bon air, avec des mobilités douces, et que tout le monde s'investisse vraiment dans la lutte pour le vélo, pour le train, pour les bus à haut niveau de service, plutôt que de faire des autoroutes et des voies routières qui vont amener de la circulation en plus, parce que c'est toujours une route qui appelle la circulation et ça n'en finit pas. Donc là, je suis vraiment contente de voir qu'on a autant de monde que ça, alors que finalement, on a préparé ça il y a que depuis 2 mois. On n'a pas une histoire réellement ancienne. Donc c'est un bon début et l'an prochain sera peut-être 3 ou 4 fois plus. Thank you.
S'amuser quand on était gosse, aller dans les cerisiers, aller vivre dans une région qui est belle et saine, avec un air pur. Et là, en fin de compte, on est en train tout doucement de bousiller ce système qui est extraordinaire, et on veut nous mettre du béton. Et le béton devrait être là où on est maintenant. Alors on s'est dit, ben, si jamais l'autoroute passe, elle passe, nous passe dessus, on n'existe plus. Et il y a 300 hectares de terres agricoles qui n'existeront plus. Et les cerisiers non plus n'existeront plus. Et en fin de compte, tout ce qui était beau dans ce beau Chablais, ça sera foutu. On aura une barre de béton qui va nous couper. Là, plus près du micro. Ah ben voilà, ça va mieux. Donc je parle plus près, c'est la première fois que j'utilise un micro. D'habitude, c'est des glaces, mais là, je ne sais pas faire. Bon, ben voilà. Donc c'était pour dire qu'en fin de compte, si l'autoroute passe, on a une barrière de béton qui fera 50 à 70 mètres de large et qui comprend tout le Chablais en deux. Quand on voudra aller d'Orcy, aller au bord du lac, c'est foutu. On sera obligé de passer, prendre un pont à quelques kilomètres d'ici. Il faut qu'on préserve notre Chablais. Il faut qu'on préserve notre région. C'est un parc naturel, d'une certaine manière. Alors, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est défendez-vous. Défendez-vous pour vous, mais aussi défendez-vous pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Nous, on a reçu quelque chose de bon de nos parents. On en est fiers. Eh bien, il faut aussi que nos enfants, nos petits-enfants soient fiers de nous. Parce que nous, on n'existe plus dans quelques temps, c'est foutu. Mais eux, ils sont là, ils vont y rester. C'est pas la peine de se faire impacter. C'est pas la peine non plus qu'eux, ils ne vont pas lâcher les bagnoles, ni le goudron, ni le béton. On a tous besoin de vivre, on a tous besoin de manger des produits merveilleux, comme nous, on cultive en bio des natures, de la salade et d'autres produits de légumes et des fruits. Et c'est ce qui nous fait vivre. Et c'est ça qu'il faut défendre. Puis il faut aussi défendre l'éthique, qui on est. Qu'est-ce que nos enfants vont penser de nous si on installe du béton, des immeubles et des trucs de partout? On sera comme dans la banlieue de Lyon ou de Saint-Étienne. Le Chablais, ça sera foutu. Et moi, c'est ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui. C'est que vous défendiez votre territoire. Vous défendiez vos valeurs. Et respectez notre environnement. Il faut qu'on ait un Eden, il faut qu'il reste encore un Eden pour les générations futures. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fête. Bravo, bravo. Là, il y a Raphaël qui va parler. Raphaël, c'est un homme merveilleux. Bravo. Je vous présente Raphaël Bastassa. Voilà, c'est un agriculteur. Hein ? Mais ça ne va rien, il va parler pour les agriculteurs. C'est un agriculteur merveilleux. Voilà. Et l'autoroute ne tombe pas du ciel comme un ovni déconnecté de la marche du monde à l'urbanisation effrénée que nous connaissons depuis une cinquantaine d'années au moins. Elle vient remplacer la défunte A400 et serait dans l'imagination de ses promoteurs la colonne vertébrale de la poursuite du bétonnage du Chablais et de toute la région. Tous les 7 ans, un département français disparaît sous le goudron des autoroutes. Le béton des zones commerciales, au nom d'une croissance qui a irrémédiablement saccagé notre paysage, notre cadre de vie, notre biodiversité, notre eau et notre air. Pour les paysans et les paysannes considérés comme des reliquats de l'histoire, ce n'est pas de croissance qu'il est important de parler. La société paysanne a été délibérément sacrifiée, comme le seront Sylvie, Vincent et tous les autres sur le tracé s'ils se concrétisent. C'est cette société qui a perdu les 9 dixièmes de ses effectifs en même temps que son outil de production, à savoir la terre. Les marins ont perdu la moitié de leur étendue et reculeront encore avec des projets comme celui-ci. Même les forêts reculent, elles perdent désormais, à l'instar de celle de Plombois, qui va être très largement détruite, beaucoup de surface. Et avec elles, toutes les plantes et les bêtes qui y vivent, qui sont un trésor inestimable. L'autoroute Machidonon, c'est environ 200 hectares de nature, de prés et de champs cultivés qui disparaîtraient. Mais c'est aussi une des conditions de l'urbanisation de 700 hectares supplémentaires prévus par le SCOT du Chablais dans les prochaines années. Nous avons des bouchons et nous aurons toujours des bouchons. Nous subissons de plein fouet la pollution de l'air et cela nous fera qu'empirer. Nous ne produisons plus qu'une petite partie de notre nourriture et notre dépendance va augmenter. Les intérêts des aménageurs, promoteurs immobiliers et autres sociétés autoroutières ne sont pas les nôtres. Et nous ne voyons aucun avantage à accroître encore l'attractivité de notre territoire, alors que nous sommes le département qui gagne le plus d'habitants par an. C'est pourtant ce que réclame à tout tête Christian Monteil, président du conseil départemental, à chacune de ses déclarations et beaucoup trop d'élus à sa suite. En agriculture, nous sommes déjà largement touchés par les changements climatiques, les sécheresses qui succèdent aux inondations, les variations brutales de la météo et les températures caniculaires qui d'ores et déjà ont un impact notable sur les rendements année après année. Les abeilles souffrent,
les plantes et le bétail souffrent. La pollution de l'air nous atteint aussi puisqu'il a été prouvé que l'ozone, à son taux actuel, diminue la croissance des plantes de 10%. Par ailleurs, nous vivons largement grâce à une bonne image de nos produits, conséquence des faits, des choix faits depuis les années 60 dans les savoirs de privilégier la qualité à la quantité. Que deviendrait cette image dans l'imaginaire collectif si l'imaginaire collectif se mettait à associer le reblochon avec la pollution? Alors décidément, non, les autoroutes, nous n'en voulons pas. Nous trouverons ensemble des solutions pour mieux circuler dans la région et mieux respirer. Il aura de notre avenir commun. Merci. Bonjour. Merci. Merci, Raphaël. Alors, c'est un petit peu dommage de sacrifier nos terres agricoles, comme vient de le dire Raphaël, parce que des solutions, on en a. Et moi, ma bataille, c'est de dire bah, ces solutions alternatives pour les transports, il faut vraiment leur laisser leur chance. Elles existent sur le papier et elles sont en train de voir le jour. On a par exemple le Léman Express, qui est cette fameuse ligne de train du CEVA. Donc le CEVA, au niveau de Genève, ça va être un train toutes les 6 minutes. Dans le Chablais, ça va être un train toutes les demi-heures qui va faire une ligne directe entre Évian et Genève et l'intérieur de Genève. Donc c'est sûr que si on fait une autoroute en parallèle, les gens ne joueront pas le jeu, les gens ne prendront pas le train. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se battre pour que l'autoroute ne voit pas le jour, parce qu'on aura de la pollution et les trains seront vides. Et en parallèle, on a aussi, et c'est vraiment en parallèle physiquement et géographiquement aussi, on a le fameux transport à haut niveau de service qui va donc faire Thonon, Genève, Eaux Vives. Et ce transport à haut niveau de service sera prioritaire à tous les carrefours dans lesquels on a des embouteillages actuellement, c'est-à-dire à Sié, à Douvaine. Ils vont avoir, le bus va avoir une voie sur la droite pour contourner les voitures, pour arriver avant au carrefour, et sera prioritaire. Donc le feu va passer au vert quand le bus arrivera. Donc par rapport au trajet sur les voitures maintenant, en heure de pointe, on va gagner 5 minutes à peu près sur les trajets pour les voitures. Donc par rapport à la ligne de bus actuelle, il n'y a pas photo en heure de pointe. Donc là, on veut vraiment que les gens jouent le jeu et prennent ces bus-là. Mais c'est sûr que les gens sont quand même un petit peu individualistes, hein, pas que, moi aussi. On est bien dans notre voiture, mais ça, c'est une époque qui est révolue avec la croissance de la population. On ne pourra plus se permettre de continuer à vivre comme nos parents ont vécu, tout seul dans nos voitures. Donc là, c'est un monde qu'il faut un petit peu oublier, il faut envisager autre chose et il faut le penser maintenant. Alors ce bus au niveau de service, en plus, c'est quelques dizaines de millions d'euros. On est très très loin du budget de l'autoroute. Simplement, là, ce n'est pas encore soumis à enquête publique. Donc si on arrive à vraiment se battre et à dire nous on y croit, on le veut, et bien peut-être qu'il verra le jour parce que les études sont vraiment bien avancées. Voilà. Donc après moi, je ne sais plus qui devait parler, mais là, on est un petit peu dépassé par notre succès, j'ai envie de dire, parce que franchement, je ne pensais pas qu'on serait si nombreux que ça. Merci à tous d'être là pour nous soutenir, pour vous battre à nos côtés, pour une mobilité douce, pour des bus, des trains et évidemment des pistes cyclables. Voilà, je vous laisse la parole à Christophe, mais il y avait quelqu'un d'autre. Thank you.
La pyrale, elle est plus...